que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on participe à une œuvre collective, une œuvre qui est intitulée « Mille et une mains ». Ce qu'il y a de particulier, c'est que voilà, toutes les spécialités confondues sont là, sculpture, peinture, gravure, céramique, mais le travail essentiellement est un travail qui concerne une fresque en céramique. Donc c'est un travail sur des carreaux, avec les émaux. Et voilà, je crois que c'est une participation où les étudiants usent de leur habileté à mener un projet. خدمنا ديكاليغرافي وتعلمنا تكنيك دو بوشوار وان شاء الله بتتعلق في دار الثقافه ابن رشيق في تونس هنا. بالنسبه لي انا التحدي اللي ريته اليوم في الخط في الكاليغرافي هذه ولازمني نتاقلم مع الفاصون اللي تعجبني انا ونقول فيها فهمتني امور اليز ومريكل على الاخر دونك نحب نعمل حكايه اللي يشوفها تعجبه يبقى يشوف فيها برشا ونعاود يشوفها يقول يزيد يحب يعاود يشوفها مره. شرف لينا ان الواحد يشارك من بين 700 فنان تقريبا مشاركين بلوحه كبيره برشا ضخمه الحجم. شرف لي اني نعمل الجزء الصغير هذايا اللي ان شاء الله باش يتعلق معنا مع جمله الموجودين وان شاء الله يتماشى مع الشيء اللي عملوه الاخوين الاخرين والفنانين الاخرين معنا ان شاء الله تدخل في الكومبوزيسيون جينيرال معنا اللي باش تتعلق. Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien dans le lycée Pilote des Arts. Auparavant c'était l'appellation Pilote et maintenant c'est le lycée des Arts Lamrane. Alors vous êtes dans l'atelier de l'art plastique. Ce lycée comporte trois disciplines, c'est le théâtre, l'art plastique et la musique. Par rapport à ce projet, c'est un projet de céramique murale. C'est une belle expérience je dirais, parce qu'auparavant, hier, c'était un peu difficile d'assimiler tous les besoins de cette expérience et aujourd'hui ils ont pratiquement fait, c'est-à-dire il y a eu la phase du dessin et aujourd'hui c'est la phase de la couleur, je dirais de l'engobe, et c'était un peu difficile. On a changé de support au fait, aussi c'était sur d'autres supports mais cette fois-ci c'est la céramique et la céramique elle a bien son vocabulaire, je dirais, elle a bien aussi ses maîtrises, son système à faire. Et là, ils sont parvenus à faire un bon résultat. On va parler aussi de la corrélation entre la ville et la calligraphie. Il ne faut pas oublier que ce projet, il a été conçu pour bien promouvoir la ville tunisienne, avec peut-être ses couleurs, sa clarté, sa luminosité aussi, ainsi que l'aération de la lettre. Et au fait, tout ce projet réside sur le fait mille et une mains. Il ne faut pas oublier mille et une mains. Et il y aura ce tasing, ou bien il y aura cette manifestation que tout le monde aura à assister à la fin du mois de juin, je crois. Et par la suite, je dirais même que cette ville, ou bien que cette fresque murale, elle va prendre de l'ampleur, que ce soit sur le format national ou international. Et c'est ça le résultat, et c'est ça peut-être bien, je dirais, c'est le but. C'est le but de faire travailler, de faire aussi participer des jeunes, moins jeunes, des adultes, des artistes, des inconnus, des homonymes peut-être, même au niveau des noms. Mais ça sera une fresque
particulier jusqu'à le grand ensemble. Alors, au fait, cet atelier s'est déroulé entre trois collègues. C'est les collègues, les professeurs d'art plastique au lycée Pilote des Arts, la Omeren. C'est à partir de Madame Sonia Beromvan, Madame Olfa Farfer et Madame Nisef Chkondeli Hassan. Voilà. My name is Diya Jirbi, I'm an art student. So it was a good experience in this project because we shared the work. We worked on tiles, we worked on the calligram to build a great mural. It was difficult to do the project by our own because it's our first time, but then we learned how to do it, so all of us did it by his own. Then we regrouped all the tiles so we can have this beautiful mural. People, they're gonna see this mural, they're gonna think how we did it. They're gonna imagine how we work it by ourselves, by each one of us. Then they're gonna like it, I think. Donc aujourd'hui, je me trouve ici au centre de céramique de Tunis que j'ai eu le plaisir de suivre il y a quelques mois par Facebook lors de la dernière édition internationale. Et de me retrouver aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir d'être dans ce lieu mythique, magique, qui inspire beaucoup. Et c'est Anne qui m'a invité il y a 2 jours. Donc je n'ai pas hésité de répondre présent, d'une part parce que j'aime partager mon art. Un art qui ne se partage pas, ben, je ne pense pas quoi. Il sert à quoi, je n'ai aucune idée. Et puis c'est une nouvelle expérience que j'ai voulu faire et je ne vous cache pas, j'avais la trouille. Parce que c'est un support dont je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Je l'ai fait il y a 2 semaines ou quelques jours à Naples et j'ai trouvé ça très intéressant de changer de support, de changer d'outil. Ce n'est plus les calames, les bambous, c'est les pinceaux. Ce n'est plus les encres noires, c'est des teintures qui vont changer de couleur plus tard. Donc ce que je fais maintenant, il va se transformer avec le feu.